Cet été, des barbecues étaient proposés par Haute-Savoie Habitat et l'association Passage auprès de Vassy. Est-ce que c'est bon, les merguez? C'est bon, les merguez. On aime bien les merguez. Je pense qu'ils sont en train de cramer. Je vais m'en occuper. Il fait beau, il fait frais, il y a une brise. Aujourd'hui, on organise un barbecue pour les habitants de Seynaud, les familles, les jeunes, voilà, pour qu'ils puissent se rencontrer, partager un moment convivial entre eux, puis venir manger des merguez tous ensemble, quoi. La première qu'on a faite, il y avait, je pense, à peu près une cinquantaine de personnes. Grosse table, pas beaucoup de gens et beaucoup de merguez. Qu'est-ce que tu fais avec Passage d'habitude, Zizou? Des activités. Quelle activité? On fait du canyoning, on regarde le cinéma. T'as fait quoi d'autre cet été avec nous? On a dansé. L'acrobranche. On a canyoningué. L'association Passage a aménagé un bus depuis un an, le Pass and Pause. Par exemple, il y a le Pass and Pause là-bas qui est très chaleurant. Chaleureux. C'est quoi le Pass and Pause? C'est le camion là-bas, très décoratif. Et qu'est-ce qu'il fait le Pass and Pause? Bah, il passe dans tout Annecy, dans tous les passages d'Annecy, et après il sort des jeux, et après on joue. On s'installe dans différents secteurs d'Annecy, des quartiers où notre présence est plutôt plutôt judicieuse. Donc on va à la rencontre des jeunes, voilà, tout simplement pour discuter, pour partager un bon moment. Donc on a du matériel à l'intérieur du camping-car qui permet de nouer du lien à travers des jeux, etc. C'est quand on joue avec les animateurs, on prend du plaisir, on mange. Ah, c'est tout bien ça. C'est une association de prévention spécialisée, hein, donc qui repose sur un principe de libre adhésion. Hein, donc c'est les jeunes qui font les démarches pour venir nous voir. Donc après ce qu'on souhaite pour eux, c'est plutôt s'intégrer dans le milieu social, quoi, hein, avec. De l'insertion à la clé, etc., avec les différents chantiers qu'on propose, etc. Adem a participé à un chantier éducatif de nettoyage de plage, organisé en juillet dernier par l'association Passage. Retour sur une première expérience professionnelle. J'ai participé à un chantier qui a duré 6 jours, 3 heures par jour, et gagné au minimum 125 euros. Alors le principe, c'était de nettoyer des plages. Quelle plage? La plage d'Albini et des Marquisins. Alors on travaillait de 6h à 9h pendant 6 jours. Ah, même samedi, dimanche, hein. Même pendant les week-ends. Il y a eu beaucoup de boulot. Il y a eu des jours où il pleuvait et on a eu moins de boulot. Je me levais à 4 heures pendant 6 jours. Un travail de prévention spécialisé, de longue haleine et tout en subtilité. Bravo à l'association Passage. Ouais, mes amis, nous aimons manger. Voilà.